Salut, c'est Wazio Elias. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un an de Wazio Elias, vous super bien là. Confetti. Bon alors je note, pensez avoir un budget confetti plus conséquent pour le deuxième anniversaire de Wazio Elias, vous super bien là. Pensez à avoir un anniversaire des 2 ans de Wazio Elias, vous super bien là. Sinon, le budget confetti ne servira à rien. Enfin bref, pour fêter cela, j'ai décidé de super bien jouer à Blue Estate. C'est parti. Say goodbye to my mother. Oh. Merde! Sclameur. What's the Elias de l'humour sophistiqué depuis 1973. Oh! Oui, oui, je vois. Les paramètres. Oui, la belle paire de paramètres. Très sophistiqué. Est-ce que la résolution est bonne? Oui. La bonne résolution, on voit bien tout correctement. Oui. Je suis d'accord. Le son m'a l'air tout à fait correct. Je veux dire, oui. Je l'aime bien ce son. Alors, l'histoire. Oh la jolie histoire. L'histoire, c'est parti. Premier niveau. Alors, je sais que c'est une parodie du logo du FBI pour les jeux d'arcade. Sauf que là, ils nous mettent FPS Authority. Ce jeu n'est pas FPS, c'est un rail shooter. Donc ça devrait pas compter. Donc moi, je dis, il y a du bullshit. C'est parti! Alright. Anyone of you that speaks a word of English. C'est raciste. Bring me cherry pops, or this day... Je veux tirer! Pom-pom-pom-pom! One. Two. Aïe. Everybody heard. Diplomacy and tolerance weren't numbered in Tony's talents. He liked to shoot first. Well, he liked to shoot. Ah! Prenez-vous ça, bande de vases! It's like they built moats into the walls. Exactement! Dans les... Non, ça fait pas de sens, en fait. Je crois qu'il a dit aïe. Everybody heard. Anyway, the club was open only to its armed employees while they auditioned a new girl, and the auditions were tanking. D'accord. Nope. Bravo, merci le jeu, c'est très sympathique. Oh, en plus de voir que je me casse le cul à censurer ces nichons, fait chier. Non, arrête de les bouger. Non, attends, c'est vrai qu'il y a des étoiles de mer dessus. Techniquement, on voit pas les tétons, donc j'ai pas besoin de censurer. Merci, monsieur le jeu vidéo. J'aime bien cette manie qu'ont les ennemis de ce jeu à... Bah d'ailleurs de tous les rail shooters tant qu'on y pense, à me courir juste devant mon arme en fait. C'est histoire de bien me faciliter la tâche. Ah putain de cheveux. De bien me faciliter la tâche, merde. C'est vrai qu'après le nombre de gens que j'ai désingué, ils devraient peut-être se dire que leur stratégie de me courir dessus ne fonctionne pas. Peut-être qu'ils essaient autre chose. Il avait un petit trampoline celui-là. Ah les petits coquins, ils mettent des trampolines aux étages supérieurs pour faire du lol. Ah le slow-mo, j'avais pas vu. Maintenant tout est au ralenti. Oh, dans la tue. Et dans le vase. Espèce de sale vase. Tiens, toi aussi. Roulette dynamique. All right. Next round's on me. Ouhou, la picole. Mais d'où ils sortent? Parce qu'il y a 15 secondes, ils étaient pas là. C'est pas trop possible. C'est pas très la logique, votre bidule, monsieur. Well, hello. Ah, on dirait le slogan de l'Amérique, ça, en fait. Wet floor sign, huh? Yeah, you'd actually have to clean this place to get it. Wait! Bon alors l'humour est rigolo mais un peu lourd quand même. Ah! Bonjour, au revoir. Non, désolé, c'est pas ouvert aujourd'hui. Non, non, il est pas la porte. Hey. Merci d'avoir censuré ça pour moi le jeu, c'est pratique. Bonjour. Est-ce qu'il y a des messieurs tout nus en train de profiter du sonar? Apparemment pas. Je suis... Ah bah merci bien monsieur le jeu. Ah! D'accord.
I can get yous out. Oh. D'accord. Mais il sort d'où littéralement lui? Il y avait pas de place là. Espèce de vase. Oh oui. Oui, je confirme. C'est bien elle. Oui, oui, oui. Oui, oui, l'histoire m'intéresse beaucoup, monsieur. Quelle jolie histoire. Tu la racontes bien, cette histoire. Oui. Ah! Mais pourquoi est-ce qu'il y a King Jong-Mil avec un soutien-gorge dans cette histoire? Retourne sur la madame. Retourne sur la madame. Casse-toi, King Jong-Mil. Dégage. Pourquoi tu fais du breakdance? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais putain, mais que diraient les habitants de la Corée du Nord s'ils se voyaient comme ça? Eh hey, mais il était pas mort lui. Et voilà qui conclut donc l'épisode de West Village Super Bien à Blue Estate. Mais attention, ça ne veut pas dire que cette vidéo est finie. Oh non non non, car maintenant j'ai l'honneur de vous présenter un best-of des meilleurs moments de West Village Super Bien à première année. C'est parti. Ah non 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 non, non mais quand j'ai dit c'est parti, c'était pas pour relancer l'intro, c'était pour lancer le best-of en fait, donc virez-moi ça de l'écran et mettez-moi le best-of, merci. Une table. Bonjour. Mais pourquoi est-ce qu'il y a Max Timo qui dit une table dans mon best-of? Ça vient même pas d'une de mes vidéos, ça vient d'une de ses vidéos à lui. Ça n'a aucun sens. Oui, mais cette proclamation de Max Timo est tellement bien qu'elle devra apparaître dans tout le best-of de l'internet. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, ça... Oh mon dieu, mais qui est-ce qui vient de me parler? C'est moi, le Père Noël. Oh, oh, oh. Oh, Père Noël, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Parce qu'on est en septembre, t'es un tout petit peu en avance, en fait. En retard, tu veux dire? Quoi? Mais oui, l'an dernier, tu n'as pas fait de vidéo à Noël, donc je n'ai pas pu te visiter pour te souhaiter un joyeux Noël. Donc je viens le faire maintenant, un peu en retard, certes, mais je le fais quand même. Ouais, bon, c'est vraiment une raison de merde. Hein. Ta gueule, prends ton cadeau, petit con. Oh, une PS3, rien pour moi, Père Noël. Ah, c'est vraiment trop gentil. T'as pas pu prendre une 4? Oh, 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 va te faire foutre. Ah, j'ai trop hâte de l'ouvrir. I got a shotgun.